Promeneurs, touristes, simples passants, bonjour. Bonjour et bienvenue à Eulemont. Sur cette colline que la tribu gauloise qui s'y était établie appelait le mont où l'on est bien. Quel bel environnement ici pour moi. Je suis l'église Saint-Rémy et je peux vous dire que j'en ai accueilli des générations venues me confier leurs peurs, leurs espoirs, leurs joies, leurs peines, en secret ou en grande cérémonie. Et ce n'est pas fini. Les premières pierres de ma tour ont été posées au XIVe et au XVe siècle. Comme souvent en Lorraine, sa seule fonction était d'abriter les cloches accrochées en hauteur pour qu'on les entende tinter de loin. Je vais vous présenter les miennes. Elles s'appellent Marie, Thérèse et Jeanne d'Arc. Deux vieilles chapelles accolées, dédiées à Notre-Dame de Pitié, ont longtemps existé à côté du clocher. C'est sur leur emplacement que j'ai été construite, et vous allez voir, cela en a mis du temps.